Petite précision avant de commencer, nous ne voulions pas entrer dans un débat, juste essayer de comprendre comment les exposants vendaient leurs produits ou services, et éventuellement comprendre leur façon de penser. Il s'agissait aussi de mettre en évidence les potentiels dangers de ce genre de salon à travers les prétentions exagérées de certaines pratiques. Vous pouvez voir le reportage de deux façons, en regardant tout d'un coup ou en faisant pause pour lire les notes qui s'afficheront en bas de l'écran. Bon visionnage. Vous avez la propriété du minéral, du cristal, qui est vraiment un amplificateur, condensateur, émetteur, récepteur d'informations. C'est pour ça que dans votre carte mémoire de téléphone portable, il y a des cristaux de quartz. Et vous avez l'onde de forme du crâne, qui représente tout ce qui est conscience, tout ce qui est connaissance, tout ce qui est sagesse. C'est pour ça qu'on retrouve des crânes de cristal chez les Mayas, chez les Incas, en Mongolie, au Tibet. Derrière la dame, il y a des crânes anciens. Donc c'est pas les crânes qui datent de l'Atlantide évidemment, mais c'est des crânes qui ont été taillés dans différentes traditions. Après c'est difficile de les dater parce qu'on ne peut pas dater de minéral en fait. Chez les chamans, les prêtres, les guérisseurs, ils avaient des crânes en fait. D'accord. Et c'est quoi comme propriété ? Des crânes anciens, chaque crâne a son job. Il y en a qui réalignent, il y en a qui viennent guérir, il y en a qui viennent nettoyer les énergies parce qu'ils ont été activés, donc il y a une énergie, voilà, une intention très spécifique qui est descendue dans le crâne et qui a activé toutes les connaissances de la tradition. Les crânes ici qui sont à vendre, ils ne sont pas activés. Quelque part, ils cherchent leur porteur ou porteuse pour qu'une énergie spécifique qui correspond à la personne puisse descendre à l'intérieur. Ça va s'activer automatiquement quand on l'achète ? En fait, le crâne... Faut bien choisir, en fait. Ouais, voilà. Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'on dit que le crâne vous choisit. Et quand vous parlez d'énergie, oui. C'est quoi exactement ? C'est quoi l'énergie ? C'est à la fois... c'est difficile à dire. C'est à la fois une information et une... c'est subtil et en même temps c'est physique, c'est dans la matière, mais c'est ouais. À un niveau plus subtil que la matière dans ce qu'on connaît. Quand on prend une photo de votre aura, on a des couleurs autour de vous et on peut le faire avec un appareil scientifique. Parce que notre corps, il dégage, de par la chaleur qu'il dégage, une certaine vibration. D'accord, voilà. c'est pas le rayonnement infrarouge, c'est... C'est un ensemble de 8 énergies qui sont en équilibre, c'est un champ énergétique qui forcément... invisible à l'œil nu, oui. Mais qui est là. Et ça a des propriétés thérapeutiques particulières ? Comme je vous le disais, si vous avez une intention de pratiquer la guérison ou les soins, en fait, il va amplifier ces capacités-là. D'accord. Ça permet d'avoir une perception différente, une ouais. Vision différente, comme si les lunettes étaient bien dans le corps. Et du coup, ça n'enlève rien à ce qui se passe à l'extérieur, mais ma relation au monde est comment on le différente. Reçoit ? Si ça part de moi et que ma perception des choses est différente, je vais gérer parfaitement bien tout ça. Merci beaucoup. C'est quoi exactement la médecine symbolique ? Ça nous est tombé dessus. Quand on a décidé de vivre ensemble, on était mal et on a pris ces baguettes-là. On va chercher de l'eau ou autre chose et puis en fait, ça nous a fait découvrir tout ça. D'accord. À travers la maison, qui est le miroir du corps. Nous, ouais. Nous, on habite dans notre maison, mais dans notre corps habite une âme. Donc c'est des fractales. D'accord. Et c'est, du coup, c'est thérapeutique, c'est ça ? Ah oui. Et on peut guérir quoi avec ? Tout. Parce que tout. Même les maladies assez graves. J'étais pas sur la même longueur d'onde. Ah, d'accord, pardon. C'est plus psychique. Nous, ça nous a fait découvrir que tous les symptômes qui arrivent, qu'on vit, en fait, ça parle de nous. Tout ce qui nous dérange parle de nous. D'accord. Et donc, si ça parle de nous, ça nous dérange dedans, on a toutes les clés à l'intérieur pour guérir ça. Et guérison à travers des symboles, c'est-à-dire qu'on recolle les deux morceaux. J'arrive, je subis quelque chose de violent. Si on met du sens et de la conscience en montant même jusqu'à là, là, on a compris le sens de la vie. Et c'est des maladies plutôt psychiques ? C'est tout est une porte d'entrée. Donc une dépression, par exemple Mais oui, mais c'est parce qu'on n'est plus relié à ça. Merci beaucoup. Est-ce que tu as compris ce qu'elle a dit ? Alors ça c'est les fleurs de Bach. D'accord. Et puis là on a les élixirs d'Eva contemporains. D'accord. C'est quoi la différence ? Alors, c'est préparé de la même façon. Ouais. Bach, c'est donc le système Bach que Voltaire avait mis au point, mais il est mort en 1936. Et puis depuis, la recherche contemporaine a pondu 96 nouveaux élixirs sur des problèmes de maintenant. Et ça marche comment ? Il faut juste en prendre quelques gouttes par jour ? Alors, ça prend cure 3 gouttes 3 fois par jour. D'accord. Pendant
3 semaines, un mois. Et c'est très concentré dedans ou c'est Alors, c'est pas très concentré parce qu'on est vraiment dans l'information, on n'est pas dans le pondéral. La fleur qui calme les idées suicidaires, et bien ça agit super vite, quoi. Ouais. Et c'est quel genre de problème qu'on peut régler avec ça? Tout. Problème de santé, tout? Alors, on passe par l'émotionnel. L'idée du docteur Bach, c'était que la maladie est le résultat d'un conflit entre l'âme et l'esprit. C'est soit une médecine préventive, oui. Et ça quand même, moi je le vois, ça se vérifie pas mal. Hein. Ou alors, si on est déjà malade, c'est un super accompagnement. Et c'est en plus d'un traitement conventionnel, on va dire? Tout à fait, bien sûr. Ouais, ça. Est-ce que ça peut se substituer à du traitement conventionnel? Ben, disons que ça, c'est un truc que j'ai carrément pas le droit de vous dire. Ah, d'accord. J'ai pas le droit de vous dire ouais. Oui. Moi, dans ma vie, il y a des périodes où je suis pas allée chez le médecin pendant des années, quoi. Après, bon, c'est toujours quelque chose de très personnel, le rapport à la médecine. Quand on sait qu'on nous fait prendre des trucs qui vont nous flinguer d'autre part, c'est un choix personnel. Et c'est quoi le traitement le plus efficace en complément, justement? Pour moi, les fleurs de Bach, c'est la méthode reine. Donc il vaut mieux prendre des fleurs de Bach plutôt, par exemple, de faire de la méditation. Pour moi, en plus, la méditation, c'est un truc oriental, ouais, qui vient d'une énergie complètement différente et on n'a pas les mêmes tempéraments. On n'a pas été oppressé par des dictatures pendant des milliers d'années, comme c'est le cas là-bas. C'est pas par hasard qu'on n'a pas inventé les arts martiaux, nous on fait de la dentelle, du petit point, on va prier petit Jésus. Enfin, c'est complètement, ça n'a rien à voir. Pour moi, la méditation, c'est super pour les orientaux. C'est d'accord, mon d'accord. Point de vue, hein. Ah bah, merci beaucoup. Avec plaisir. C'est un peu raciste tout ça, non? Et vous faites comment pour justement guérir les addictions? C'est un combiné de toutes ces techniques. Donc il y a de l'hypnose, il y a de l'EFT, il y a plusieurs autres techniques, voilà, qui sont... Une addiction au tabac, c'est, ça peut être très simple. En moins de 10 heures, c'est réglé. Après, ça peut être plus complexe, ça peut prendre 20 heures. Sinon, en moins de 10 heures, le tabac? En moins de 10 heures, ouais. C'est un des trucs les plus faciles qu'on traite le tabac. Il y a combien de pourcents de pourcentage de réussite? 95% des gens qui viennent nous voir, d'accord, ils arrêtent. Ah oui, pour le tabac aussi, c'est 95%? C'est pour le tabac, ça. Ah d'accord, c'est oui. Pour l'héroïne, la cocaïne, c'est pas ces chiffres-là. D'accord. Ouais. Ça, et les thérapeutes, ils ont quoi comme formation généralement? Donc les thérapeutes, en fait, ils ont été formés par donc, cette dame. Ça fait des années en fait qu'elle utilise ces techniques et ça fait maintenant aussi des années qu'elle forme d'autres personnes. Et celle qui enseigne tout ça du coup? Qui enseigne tout ça. Et quelles sont les techniques? Mais elle a créé cette technique parce qu'elle s'est formée à plusieurs choses et elle a réuni en fait les, d'accord, selon elle, avec ses expériences de thérapie, ce ouais, qui fonctionne, ouais, le, ça, fonctionne ouais, le mieux, et elle a créé cette... Ça marche. Merci. Très bien, merci beaucoup. Merci. Le guarana, c'est un produit phare en fait. Et nous, en fait, on vend la plante des terres d'origine, des grandes sources de stress, tout ça, bah, c'est bien une plante comme ça pour être bien géré le stress, ouais, dynamique. C'est un peu comme la caféine. En fait, il y a de la guaranine. Dans le guarana, il y a de la guaranine, c'est pour ça qu'on l'appelle guarana. Il y a une molécule qui est 10 fois plus puissante que la caféine. Ah oui, donc ça excite pas mal. C'est pas excitant. Pas excitant. Mais ça n'empêche pas de dormir. Ouais. Ça maintient en éveil, mais ça n'empêche pas de dormir. Merci beaucoup, merci. Bonne journée. C'est une langue 4 fois plus forte que la caféine, mais qui n'excite pas comme ça. Sachez que si vous prenez un livre, ouais, vous avez votre profil homéopathique. Oh. C'est quand même intéressant. C'est quoi un profil homéopathique? On se soigne à l'homéopathie, il y a un profil. Et selon votre profil, le médicament qu'on vous donne, il est beaucoup plus efficace. Tous les traitements homéopathiques ne sont pas efficaces en fonction de... Tous les granules sont... Bon, pareil, ils ont fait pour nous, mais selon le profil qu'on a, ça joue beaucoup. Et pourquoi ils veulent dérembourser Parce que scientifiquement, les homéopathes, j'ai suivi ça de très très près, parce que justement, je prends de l'homéopathie depuis 40 ans. Oui. Ah oui, moi je suis vraiment une fana. On n'arrive pas à prouver scientifiquement ce qui fait que l'homéopathie vous soigne, sauf que vous avez le résultat. Merci beaucoup. Elle n'a pas compris le problème. C'est l'eau la plus légère d'Europe, c'est la moins minéralisée. Et ça change quoi par rapport à une eau normale? Après, c'est une eau normale. Hein. C'est une eau vraiment très très pure, donc ce que ça apporte, c'est que l'eau, elle sert à nettoyer le corps et celle-là va vraiment faire son travail parfaitement. Une eau comme ça n'a aucune contre-indication, c'est vraiment, on peut l'avoir tout le temps, tous les jours. Ouais. C'est naturellement antioxydant, détoxifiant, c'est vraiment le rôle principal de l'eau. Il n'y a pas beaucoup de minéraux dedans, c'est ça? Il y a très peu de minéraux. C'est quoi, c'est magnésium, le calcium?
calcium et tout. Il y a très, voilà, tout ça, tout ce qui est magnésium, calcium, tous les sels, le sodium, etc. On n'en a pas besoin, ça, dans le corps? Ah si, on en a besoin, mais dans l'eau, on ne les capte pas très bien, contrairement à ce qu'on peut croire. Et surtout, l'eau, elle ne sert pas à ça. Les sels minéraux, on les capte beaucoup mieux dans l'alimentation. Merci beaucoup. Merci. Je crois qu'on a trouvé le stand de purée en poudrie. Chaga. Pas du tout, pas du tout. En fait, c'est un champignon qui pousse sur l'arbre de bouleau. D'accord. Et lui, il pousse en Sibérie. Parce que vous savez qu'il pousse au Canada, surtout dans les pays nordiques. Plus c'est froid, mieux c'est pour les vertus thérapeutiques. Et donc voilà, il a différents effets. Anti-âge, il va ralentir tout le vieillissement de la peau, de l'organisme. D'accord. C'est aussi anti-cancer, officiellement reconnu dans la prévention, mais aussi contre la lutte pour le cancer. C'est pour guérir les cancers? Oui, il est utilisé en Russie officiellement, vraiment, pour la guérison, traitement des cancers. Et quel type de cancer? Tous. Ouais. D'accord. Et c'est en complément d'un traitement conventionnel, on va dire, ou Non, le mieux c'est de prendre juste ça. Même pour guérir, pour guérir un cancer, il vaut mieux prendre que ça? Et ben, en Russie, ils prennent vraiment que ça. Genre, il a été intégré dans plus de 46 médicaments par l'OMC, justement. Il n'y a pas de contre-indication avec d'autres traitements? Non, pas du tout. Et après, vraiment en prévention aussi, parce qu'il est vraiment très puissant. Vous voyez, c'est un des plus forts antioxydants que vous pouvez trouver. Vous avez l'échelle avec l'indice ORAC, plus fort que le curcuma. Après, il y a les clous de girofle qui sont plus élevés, mais bon. Parce que ça se mange, ça se parfume. Non, en fait, ça se dissout dans l'eau. C'est tellement puissant qu'une petite cuillère, vraiment, ça suffit. Après, si vous le prenez pour des raisons vraiment pour attaquer une maladie précise, maladie de Crohn, psoriasis, qu'est-ce qu'il fait d'autre? Baisser le cholestérol, le diabète. Oui, j'ai vu, ouais. C'était un peu bête ma question, mais pourquoi on entend souvent parler du curcuma et du chaga? Bon, il existe depuis très longtemps, depuis plus de 200 ans, voilà, les chamans l'utilisaient, etc. Mais vu qu'il les pousse beaucoup dans les pays nordiques, tout ce qui est Canada, Sibérie, etc., il est connu dans ces régions-là. Vraiment, c'est un produit au quotidien, mais ça prend du temps à arriver en Europe, comme tous les traitements plus naturels. Il est connu par l'OMC. Oui, exactement. Ouais. Bah, merci beaucoup. Regardez ça. Merci. Je suis atterré. Non mais vraiment.